Sous le feu des critiques de toutes parts, Jean Castex contre-attaque d'abord sur les faibles résultats du nouveau confinement. Pour lui, les Français doivent mieux le respecter. Je comprends que c'est plus difficile pour les Français. Ils sont fatigués, ils sont là, mais nous devons prendre les mesures que la situation exige pour protéger nos hôpitaux et tous nos concitoyens. Concernant les couacs récents du gouvernement sur les nouvelles mesures et les discours parfois contradictoires, le Premier ministre explique que ce n'est pas le sujet. Si on veut faire de la polémique et de la politicaille, on en fera toujours. Les décisions prises sont claires et cohérentes. L'ex-monsieur des confinements défend aussi fermement la stratégie française du tester, alerter, protéger. Ses opposants parlent d'échec. Selon lui, il faut au contraire la renforcer. Il ne faut pas laisser croire que la stratégie en France a échoué et que c'est pour cela que la maladie flambe. Pourquoi dire que cela a échoué? Quel pays a le contrôle de la maladie? Au sujet d'Olivier Véran, fortement critiqué cette semaine par l'opposition, Jean Castex le défend bec et ongles. Il l'affirme, le ministre de la Santé a sa confiance totale.